Voici à présent un conte pour les enfants un peu plus grands. Un conte populaire qui a été transcrit par les frères Grimm, et que moi, bon, j'avoue, hein, j'ai quand même adapté, parce que sinon, les contes, quand on les trouve dans les gros livres, ils sont souvent très très longs et avec des mots un peu compliqués. Là, j'ai essayé de l'adapter, mais ça reste quand même une histoire pour les un petit peu plus grands. C'est le présent des gnomes. Bon, C'est quoi un gnome? Tu sais ce que c'est un gnome? Eh bien, on va le voir, on va en parler dans l'histoire qui a été illustrée par Mathias Cornet. Un tailleur et un forgeron, tous deux bossus, voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendirent au loin le bruit d'une musique qui devenait plus claire à mesure qu'ils approchaient. C'était un son extraordinaire, mais si charmant qu'ils oublièrent toute leur fatigue pour se diriger à grands pas dans sa direction. La lune était déjà levée quand ils arrivèrent à une colline. Là-bas, ils virent une foule de petits hommes et de petites femmes qui dansaient en rond, d'un air joyeux, en se tenant par la main. Ils chantaient en même temps d'une façon ravissante, et c'était cette musique que les voyageurs avaient entendue. Au milieu se tenait un vieillard, un peu plus grand que les autres, vêtu d'une robe de couleur bariolée, et portant une barbe blanche qui lui descendait sur la poitrine. Les deux compagnons restaient immobiles d'étonnement en regardant la danse. Le vieillard leur fit signe d'avancer et les petits danseurs ouvrirent leur cercle. Le forgeron entra sans hésiter. Il avait le dos un peu rond et était hardi comme tous les bossus. Le tailleur eut d'abord un peu peur et se tint en arrière, mais quand il vit que tout se passait si gaiement, il prit courage et entra aussi. Aussitôt, le cercle se referma et les petits êtres se remirent à chanter et à danser en faisant des bonds prodigieux. Mais le vieillard saisit un grand couteau qui était pendu à sa ceinture, se mit à le repasser, et quand il l'eut assez affilé, se tourna du côté des étrangers. Ils étaient glacés d'effroi, mais leur anxiété ne fut pas longue. Le vieillard s'empara du forgeron et, en un tour de main, ils lui eurent rasé entièrement les cheveux et la barbe. Puis, il en fit autant au tailleur. Quand il eut fini, il leur frappa amicalement sur l'épaule, comme pour leur dire qu'ils avaient bien fait de se laisser raser sans résistance. Et leur peur se dissipa. Alors, il leur montra du doigt un tas de charbon qui était tout près de là et leur fit signe d'en remplir leurs poches. Tous deux obéirent sans savoir à quoi ces charbons leur serviraient. Ils continuèrent leur route afin de chercher un gîte pour la nuit. Comme ils arrivaient dans la vallée, la cloche d'un monastère voisin sonna minuit. À l'instant même, le chant s'éteignit. Tout disparut et ils ne virent plus que la colline déserte, éclairée par la lune. Les deux voyageurs trouvèrent une auberge et se couchèrent sur la paille tout habillés. Ils étaient tellement fatigués qu'ils en avaient oublié de se débarrasser de leur charbon. Mais un fardeau inaccoutumé qui pesait sur eux les réveilla plutôt qu'à l'ordinaire. Ils portèrent la main à leur poche et ils n'en voulaient pas croire leurs yeux quand ils virent qu'elles étaient pleines non pas de charbon, mais de lingots d'or purs. Leur barbe et leurs cheveux avaient aussi repoussé merveilleusement. Désormais, ils étaient riches. Mais le forgeron, lui, il était de nature très avide. Il avait rempli deux fois plus ses poches. Mais le forgeron, qui était de nature très avide, avait mieux rempli deux fois plus ses poches que son ami le tailleur.
Mais un homme cupide veut toujours avoir plus que ce qu'il a. Il proposa au tailleur d'attendre encore un jour et de retourner le soir près du vieillard pour gagner de nouveaux trésors. Le tailleur refusa, disant « Oh, j'en ai assez et je suis content, je veux seulement devenir maître en mon métier et épouser ma tendre promise, et je serai un homme heureux. » Cependant, pour faire plaisir à l'autre, il consentit à rester un jour encore. Le soir, le forgeron prit deux sacs sur ses épaules pour emporter bonne charge et se mit en route vers la colline. Comme la nuit précédente, il trouva les petites gens dansant et chantant. Le vieillard le rasa, lui fit signe de prendre des charbons. Il n'hésita pas à remplir ses poches et ses sacs tant qu'il en put entrer. S'en retourna joyeusement à l'auberge et se coucha tout habillé. « Quand mon or commencera à peser, se dit-il, je le sentirai bien. » Et il s'endormit enfin, dans la douce espérance de s'éveiller le lendemain matin, riche comme Crésus. Dès qu'il eut les yeux ouverts, son premier soin fut de visiter ses poches. Mais il eut beau fouiller dedans, il n'y trouva que des charbons, tout noirs. « Au moins, pensait-il, il me reste l'or que j'ai gagné l'autre nuit. » Il alla voir. Hélas, cet or aussi était redevenu charbon. Il porta à son front sa main noircie et il sentit que sa tête était chauve et rase, ainsi que son menton. Pourtant, il ne connaissait pas encore tout son malheur. Il vit bientôt qu'à la bosse qu'il portait par derrière, s'en était jointe une autre par devant. Il sentit alors qu'il recevait le châtiment de sa cupidité et se mit à pousser des gémissements. Le bon tailleur, éveillé par ses lamentations, le consola de son mieux et lui dit « Nous sommes compagnons, nous avons fait notre tournée ensemble, reste avec moi, mon trésor nous nourrira tous les deux. » Il tint parole, mais le forgeron fut obligé de porter toute sa vie ses deux bosses et de cacher sous un bonnet sa tête dépouillée de cheveux. C'était le présent des gnomes, des frères Grimm, illustré par Mathias Cornet. Alors, ce qu'on peut retenir de cette histoire, hein, c'est que il faut parfois se contenter de ce qu'on a. On n'a pas besoin d'en demander toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce qu'à la fin, ça se retourne contre nous, on n'obtient pas forcément plus encore. Au contraire, parfois, on peut perdre tout ce qu'on a. En tout cas, j'espère que cette petite histoire, un peu longue, un peu compliquée, vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao, ciao !